je m'appelle Lina Kael, je suis créatrice de mode maroco-libanaise, basée en Beyrouth et Casablanca. J'ai fait des études d'architecture d'intérieur à l'University of Balamand au Liban et continué mon cursus universitaire à Artcom à Casablanca. Tout en restant dans l'archi, en décembre 2012, durant une soirée de Noël, j'ai décidé de créer ma marque d'haute couture sous le nom de Lina Kael Couture. J'ai suivi mon instinct en me lançant dans la mode par pur hasard. Mes parents m'ont soutenue depuis le départ et poussée à croire en mes rêves et j'ai alors foncé. Le style Lina Kael a été très clair pour moi dès le départ. Ça devait tout d'abord me refléter, représenter mes deux cultures, tout en représentant aussi l'amour et la passion qui rassemblaient mes parents, d'où le Maroc et le Liban. C'est des créations alliant entre le glamour de la robe de soirée et la majesté du caftan. C'est de là où le style Lina Kael est né. J'ai été repérée au Maroc par le prestigieux magazine L'Officiel, qui m'a vue à travers le festival du film de Marrakech, où j'ai fait le red carpet avec une de mes créations à Sequin. Ils m'ont alors déclaré révélation en 2014, ce qui m'a énormément encouragée à aller de l'avant parce que ça m'a ouvert des portes vers la haute couture marocaine, ce qui fut un très grand honneur. À l'international, j'ai remporté plusieurs titres de Miss Liban, dont Miss Intercontinental. Et c'est de là où ma carrière en tant que designer a été lancée à l'international. J'ai donc voyagé énormément à l'étranger à partir de cet événement pour mieux faire connaître ma marque. Et aussi, ça a été une manière de puiser mon inspiration et le choix de mes tissus. L'effet marquant de cette année a été la collection que j'ai préparée exclusivement pour la 68e édition du Festival de Cannes. Une collection que j'ai intitulée Cannes Yama Cannes et qui était pour moi la meilleure manière de raconter mon histoire, de raconter comment je voyais ma marque grandir de fil en aiguille. C'était pour moi l'effet le plus marquant car j'ai été sélectionnée par les 7 meilleurs designers libanais du festival. La collection que j'ai confectionnée pour l'intégrale caftan de l'Officiel a été imaginée comme un récit de voyage que j'ai fait durant les derniers mois. Des voyages durant lesquels je me suis inspirée des rencontres humaines, de la culture des pays et de la couleur qui m'influençait le plus dans chacun des pays. Comme nouveauté, je viens d'enregistrer ma marque en Allemagne et elle a été déposée dans toute l'Europe. Donc maintenant, c'est une marque déposée européenne.